Bon, j'arrive, hein. Je vais cramer un petit elfe et on va s'amuser un petit peu avec Bébé Tricot. Bébé Tricot. Bébé Tricot. Allez, miaule. Fais un petit miaule. Fais un miaule pour nous, Bébé Tricot. Attention. Attention. Allez, miaule. Mais il veut pas miauler. Problème. Cette meuf, c'est un campeur. Je suis sûr, elle a installé une tente dans ma chambre quelque part. Oh, ça c'est un beau miaulement. Allez, à tout de suite pour ce petit live sauvage qui sera pas très long ce soir. Mais ça va être marrant, j'avais envie de voir mon petit tricot. À tout de suite. Yo, April Co. Alors, bon. Bizarre. Ah. Tac. Voilà. Alors, boum. Ça, c'est good. On va juste augmenter un petit peu comme ça. Comme ça. Voilà. Comme ça, vous voyez. Le jeu correctement, j'espère que vous allez bien, bonsoir à tous. Alors je suis désolé, un petit stream sauvage, mais frustré de ne pas encore avoir ni Ni No Kuni. Il fallait que je passe ma frustration. Je me suis dit, mon petit tricot, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu. Et donc, let's go pour tricot. Donc sur ce let's play numéro, I don't know, je me souviens plus du numéro, mais c'est pas grave. Alors, on va juste faire ça ici, ça. Ah merde! Est-ce que vous avez accès à toutes les résolutions là sur la chaîne? C'est bizarre, normalement, vous aviez accès à tout. Peut-être pas. Auquel cas, je vais juste éteindre et rallumer en vitesse. Sur les portables, c'est la galère. Ah merde. Non, que auto pour moi. Ok. Alors, juste 2 secondes. J'éteins et je rallume juste tout de suite après. De toute façon, il faut attendre en gros qu'il y ait une vraie coupure dans le live. D'accord. Ok. Alors, je coupe et je relance. Alors, boum.
Alors, ça va ou pas? Voilà. Bon, est-ce que maintenant c'est good? Voyons voir. C'est toujours pas good? Hop. Vous me voyez? Vous m'entendez? Ça marche pas? Voilà. Est-ce que maintenant ça fonctionne? Est-ce que quelqu'un m'entend? Do you hear me? Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Do you hear me? Hello? Est-ce que quelqu'un m'entend? Je me sens seul. Someone, please help me. Are you here? Toujours là et on a tout. Ok, bon, c'est good alors. Allez. Ta-da-da. Qu'est-ce que je foutais allongé par terre? That's the question. Donc, nous revoilà sur The Last Guardian avec notre copain Trico. Trico, il y a des trucs pour lui quelque part. On va aller les chercher dans les boîtes bleues. Donc, j'espère que vous allez bien. Donc, désolé, c'est un petit live, voilà. Petit live gaming. J'avais envie de voir mon petit Trico. Donc, nous, on vient de là-bas, si je me souviens bien. Et à mon avis, comment ça s'appelle? Je vais pas continuer les lives sur Trick of Mana. Parce que comme je connais le jeu, je sais pas, ça m'a un peu gonflé. Alors je ne sais pas. Bon alors, vous allez bien, Elyséum qui était là, la première Alpha qui est arrivée tout de suite après. J'ai vu Aprico également. J'ai vu qui d'autre? Voyons voir qui est là. Univers du Love qui est là et X-Nightlight. Ah, bon, il veut aller là-bas, d'accord. Alors là, on peut rien faire. Là, on peut rien faire. Là, on peut rien faire. On va sauter sur lui, on va voir si en lui disant de sauter, mais je pense... Ah, attends, il y a des vignes. Alors, il y a une grosse mise à jour. Enfin, une grosse mise à jour. Du lecteur à distance PlayStation 4, là. Maintenant, je sens les vibrations. C'est cool. Est-ce qu'il y a un truc par là? Est-ce qu'on peut aller par là? Sur ce... Ouais. Putain, je me suis cassé la gueule. Oh. That's very dangerous. Oh, attention Trico, ne tombe pas dans le ravin, s'il te plaît. Don't fall in the ravine. Et ensuite, moi je vais où là? Est-ce que je peux monter là? Je ne sais pas. Cucu, ça va? Ouais, ça va super. Est-ce qu'il y a quelque chose en bas? Je n'ai pas l'impression. Ah si! Alors, on va descendre ici. Voilà. Bon, ça se trouve. Ouh, il n'y aura rien, comme d'hab. Voilà. On saute là. Non, il n'y a rien. Je l'avais dit. Ok. On remonte. Attends, Trico.
Laisse-moi monter. Pousse tes gros patous. Ah, j'aime bien comme elle est précautionneuse. Et moi, je me retrouve bloqué dans la vigne. Ok. Ok. Allez. Est-ce qu'il va sauter? Ouh là là, il est parti. Attention. Attention. Saute. Ouh. Si, si. Il est sauté, il est sauté. Attention. J'aime bien quand il saute. C'est vraiment cool de sentir les vibrations. Alors, voyons voir. Où est-ce qu'on va? Ouh là là. J'aime bien ces bruits. Et level 56 pour Shina. Coucou Shina. Hop là. Et nous voilà atterris sur cette plateforme. C'est bien, Tricot. C'est bien, c'est bien. Bon, allez, nous on descend. Voilà. Alors, on va voir ce qu'on peut faire. On peut marcher sur ce rebord. Ici, c'est une grille pour Tricot. Pour qu'il puisse se balader. Alors, nous, on va aller par là-bas. Voilà. Ensuite, par là-bas. Voilà. Trop beau. C'est trop beau. Oh là là. Ah, il y a des oiseaux. Le petit plein de tatouages. Voilà. Eh hey, oh, j'avais des soucis avec mon papa gecko. What? Ça veut dire quoi? Hop, petite corniche, la petite corniche des familles. Yo, Piquet-Pal, comment ça va? La peur. Donc désolé, un petit live sauvage, mais j'avais envie d'avancer un petit peu sur The Last Guardian et profiter de ce jeu magnifique. Allez, descends. Descends, petit Kevin. Voilà. Oh putain, il fallait prendre la... Alors, nous voilà ici. Donc là, on va pouvoir retourner pour ouvrir la grille. D'accord. Mais, bien entendu, parce qu'il y a toujours un mais, vous vous doutez bien qu'il y aura un salopard en armure pour essayer de nous choper et nous emmener dans sa chambre. Ah. Très bien, merci. Grâce à toi, j'ai eu envie de redessiner encore ce soir. Mon, c'est gentil, ça. Merci. Bah écoute, tu me fais bien plaisir. Tant mieux. Les graphismes de ce... Ouais, mais grave. De toute façon, tout le travail de Ueda, le chef de projet, on dit un game designer, mais il est plus qu'un game designer. Il est producteur, chef de projet, etc., etc. Mais tout le travail de Ueda, dans toute sa trilogie, elle a tombé par terre. A tombé par terre. Il est capable de créer... des univers, bon après, je vois quand même assez bien ses influences, mais... Oui, j'arrive, Nounou. J'arrive, petit Nounou. Je te montrerai les résultats. Ouais, pas de problème, poste-le sur le Discord, comme ça je vois en même temps. Je vois un petit peu ce que vous faites et tout. Rien que cette colonne. Le chapiteau de la colonne. Le chapiteau, c'est la partie du dessus. C'est juste à tomber. À tomber, par terre. Alors, on va voir. Est-ce qu'il y a toujours... On n'a toujours pas retrouvé des petits trucs pour notre Tricot. Où sont les tubes, Tricot? Oula, et lui, il est parti comme un... What? Transformer le Tricot.
Voilà, nous on va continuer notre petit boulot. On va juste aller. Après qu'il en a, qu'est-ce qui se passe? C'est moi, on l'a entendu être très en colère. Avec Papa Gecko, avec mon chéri, quoi. Ah. C'est sûr que quand on est solo, on peut être que l'alpha. Ouh, ça c'est moche. C'est des coups en dessous de la ceinture, c'est moche. Oh non, hein. Je veux pas aller là-dedans. Ça rend Tricot complètement fou. Non, non, Tricot, ne viens pas là. Ne viens pas ici, Tricot. Non, 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 non. Merde. Chier. Il y a un truc là en bas. C'est quoi ça? Il y a deux gardiens. Il y a deux gardiens. Bon, et ça, si vous vous souvenez, pour les personnes qui l'ont vu, en fait, en... Non, non, Tricot, Tricot. Non, non, va pas là-dedans. Non, non, non. Va pas là-dedans, va pas là-dedans. Non, non, va pas là-dedans, viens. Ok, c'est tout. Il est en mode transformation totale. Dragon Ball Z. Ok, donc en gros, en fait, ce genre de cage là en bas de la cage, là, le truc, je vais juste aller voir, je retourne là-bas pour voir s'il n'y avait pas un à bouffer pour Tricot quelque part. Mais en gros, en fait, il y a une sorte de pierre. Et cette pierre résonne. Et elle envoie des ondes qui sont captées par les cornes du Tricot. Et ça le rend complètement agressif. Et en l'occurrence, il me bouffe. Donc il m'avale. Et la dernière fois, j'étais tombé dans les pommes. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé, comment j'ai pu ressortir de son gosier. Mais en tout cas, il m'avale. Non, il n'y a rien. Ok. Donc on va retourner là-dedans. Mais oh, pauvre Alpha. Tu es méchante, Elyséum. C'est pas bien. En plus, l'Elyséum, c'est censé être le paradis, tu sais. Avec elle, c'est l'enfer. L'enfer. Dis à cette fleur qui vienne, là, je vais lui dire. Tout ce que, toutes les galères que tu nous fais subir. Passe-le-moi au téléphone. Et j'ai appris cool le level up, mais il me semble que normalement, il reprend le contrôle pour l'une des cages et sauve. Le gamin, je veux pas savoir! No spoil! No spoil, no spoil! No spoil! Ah! No spoil! Comment tu m'as spoil grave? Ok. D'accord. Alors, eux, ils se réveillent. Ok. Si Tricot descend. Ok. Il me lance des sorts à la con. Ok, alors la pierre résonne. Donc la pierre résonne, ça rend Tricot fou. Vite, vite, remonte, 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 remonte! C'est moi, bah oui, bah remonte, connard. Donc ça détruit les trucs. Allez, allez. Ah putain, et voilà, il m'a encore bouffé! C'est pas possible. Mais je t'aiderai si tu es bloqué. Ouais, genre, en général, je demande. Si je suis bloqué, machin, je demande, mais sinon. Une clairière. Plein de petits enfants et un papillon bleu brillant. Je fais un cauchemar. Une forêt.
Ok, ça c'est le village. C'est beau. Qu'est-ce qu'il fait tricot? Ok, c'est tricot en armure. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? Quoi? C'est quoi cette histoire? Pourquoi j'ai les yeux rouges? Ah. En fait, il a une sorte de capacité. Les tricots en armure, mais il est en train de me manger. D'accord. Il a une sorte de capacité de contrôle des enfants. Une sorte de d'hypnose. Oh putain, ça pète, c'est énorme. Ok, il a bouffé. Ok, ça c'est les villageois. Donc forcément, ils vont essayer de protéger le village. Les pics. Ah putain, c'est beau. Là, on est vraiment dans l'essence. Du monstre de conte pour enfants. On est vraiment dans le monstre enleveur d'enfants. C'est quelque chose de très ancien dans l'imaginaire humain et fantastique, c'est vraiment cool. Il a été l'enfant qui a été choisi. Je dirais qu'il est asthmatique, le pauvre garçon. Mais en fait, il a une sorte d'arrêt de respiration. J'ai cru qu'il était mort, en fait. Putain, cette BO-là, elle est énorme. Vous entendez bien le son? Dites-moi si vous voulez que je monte un peu. Un poil plus fort, ok. Ça y est, lui, électro. Putain, sa queue s'est faite arracher, il s'est pris un coup d'éclair. Ah, c'est violent, hein, quand même. Ah, donc c'était bien tricot avec les cornes pétées.
parce qu'il est tombé et son armure pétée aussi. Donc quand on a rencontré Trico, il avait l'armure pétée. Ok, les soldats. Putain, c'est trop stylé, c'est trop stylé. Ah putain, il y a tout le sang qui coule. Donc ils sont même pas occupés de lui, ils ont même pas cherché à le... Ok, il m'a recraché. D'accord. Donc il était vraiment à la limite de la mort. Ils ont même pas cherché à le sauver, à le guérir en fait. Je comprends pas par contre d'où viennent les tatouages pour le moment. C'est le tout début du jeu, non, on a une paire d'heures déjà dessus. Mais en termes de révélation, il n'y a pas beaucoup de révélations dans le jeu, hein. Pas beaucoup d'éléments scénaristiques. C'était la vallée connue sous le nom du Nid. Dans les anciennes légendes. Et les légendes étaient faites pour être crues. Le seul moyen de sortir de là était de le faire par les airs. Oh. Il s'inquiète pour moi. Je comprends. Ok, moi je suis toujours dans les pommes. Je comprends pas son... le travail de Trico, finalement, son rôle dans cette ancienne cité perdue. Il cherchait des enfants et tout à l'heure il disait que c'était les enfants qui étaient choisis. Alors choisis pourquoi? Ça j'ai toujours pas compris. Et là en fait finalement on voit qu'avec la... Bon, ça s'appelle l'armure et la pierre, finalement Trico est contraint. Pour le moment. On sait pas grand chose encore. Non mais oui, attends, je vais me réveiller, arrête de pleurer. Oh, j'aime pas quand il pleure comme ça. Il sait pas quoi faire, il s'inquiète pour moi. Moi j'ai l'air quand même vachement mal en point. Il me secoue dans tous les sens. Bon, peut-être pour le punir, ouais, certains, mais je pense, ça a l'air d'être des machines, donc elles sont pas douées vraiment de raison, enfin,
de sentiment en fait. Il n'y a pas de compassion du tout dans ces machines. Ça a l'air d'être vraiment des machines. Je dis des mecs en armure, mais pour le coup, c'est vraiment que des machines machin quoi. Faut que je parte, ça marche, Picapel. Non, mais c'est des interrogations que j'ai, me spoilez pas. Laissez-moi arriver à la belle conclusion. Parce que je connais déjà pas mal de jeux, j'ai regardé pas mal de trucs dessus, mais il y a des. Je connais en gros le déroulement du jeu, mais je connais pas le fond du scénario. Putain, moi je me réveille toujours pas. Alpha qui est sur la chaîne, merci Alpha. C'est cool. Oh. Ah bon, bah, il met dans l'eau. Y a rien de mieux que arroser son Kevin pour qu'il se réveille un petit peu. Qu'il est gentil. Attends, laisse-moi te caresser, idiot. Arrête de bouger. Allez, viens. Voilà. Voilà, c'est bien. Mon pichou. Allez. Mais qui a créé ces machines? Putain, ils voulaient trop faire de révélations. Vous vous calmez, wesh. Bon, moi je suis réveillé maintenant. Alors maintenant, je ne vois qu'un. Que le moyen. Coucou tout le monde, coucou Trico. Coucou Gwendoline et Yola Yoni. Bon alors, est-ce que la pierre elle est encore là? Non, elle s'est éteinte, ça y est. Ok. Les deux bitches ont disparu. Elles étaient là, elles ont été détruites par la pierre. Ça c'est cool. Donc Trico, par ici c'est good, tu peux venir. Voilà. Oh. Ok, bon. Alors maintenant. Faut que je soulève cette grille. Par où je vais passer? Je peux pas passer dedans? Non. Ok, il doit y avoir un autre moyen quelque part. Par ici peut-être. Là non. Ah! Est-ce que. Non, le tricot il peut pas aller par là. Par ici en dessous. Oh, les gorges du Verdon. Par ici en haut, je ne crois pas. Ouais, ça, c'est complètement mort. La queue de Trico. C'est quoi là par terre? C'est quoi ça? Un bâtonnet de Colin. Alors, ok. Oula, plein de gens qui arrivent d'un coup. Vous allez bien? Ouais, ça va super et tu es. Ce jeu est parfait, ouais, mais grave. Attends, qu'est-ce qu'il y a? Ah, d'accord. Attends, j'arrive. Vas-y. Hop. Voilà. Hop, c'est en haut. Hop. Monte sur ton tricot. Hop. Monter sur son tricot. Hop, monter sur son tricot. Monter sur son petit tricot.
et puis prendre l'échelle. Et puis prendre l'échelle et descendre jusqu'en bas. Et il y aura des sept petits bâtards, ça c'est sûr, ils seront là. Attention. Ah non, peut-être pas. Peut-être pas tout de suite. Mais, reviens ici. Voilà, ça s'ouvre pour Chico. Allez, viens Chico, on avance. Ouh. Ok. Vous aurez remarqué la qualité de ces sols. Alors, on va aller voir juste là-bas. S'il n'y a pas un petit bidon. Un petit bidon pour son tricot. Que là pour le moment on en a raté deux, je crois, et deux qui étaient relativement inaccessibles, enfin en tout cas moi j'ai pas trouvé comment les attraper, mais ok, d'accord. Ensuite, ah, il y a quoi là-bas? Une lumière. Mais qui a allumé ces torches? That's the question. Ça, personne se les pose, ces questions. Qui était là avant nous? Moi je passe là-dedans. Ouais, attends deux secondes. Arrête de miauler. Putain, là, y'a rien. Peut-être là en haut. Oh, 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 oh. Ouais, là, je vais pouvoir passer, mais... Bon, ça m'étonnerait que ce soit là, quand même. Non. Là. Non. À mon avis... C'est par au-dessus. En fait, on arrive de là et on sort jusqu'ici pour dire bonjour à Trico. Donc. Hey! Allez, la caméra. Ok, donc. D'accord. Alors là, je lui ai dit accroutis la porte. Accroutis, ça veut dire pousse avec ta patte sur la porte. Ah, je peux monter en haut. Allez. Non. Ok, là on peut monter en haut. Parce que monter en bas, c'est pas génial. Ah, rallumer la torche, on le voit. Ouais, bah ouais, ratatouille. On en doutait que c'était lui. Je me suis dit que Ratatouille, forcément, comme il savait bien bien cuisiner, il devait forcément venir de là. C'était tout à fait prévisible. D'ailleurs, je trouve que il est beaucoup plus doué que le petit Kevin. Oh, un petit lézard! Arrête de pleurer. On dirait Elyséum. Toujours à chouiner. Là, il n'y a pas de tonneau. Ouais. Attends. Alors, à mon avis, puisque c'était pas là, ça doit être là, forcément. Ah, bah, je peux pousser la porte en courant dessus. Ah, il y a un petit lézard à mes pieds. Non. Ok, on peut pas par là, ça c'est sûr. Attends. Bon, alors, là ici, il n'y a rien. Là ici, il n'y a rien. Donc, ça doit être forcément quelque part là. J'ai pas osé la faire celle-là. Atatu, Osemo Kirai, Irigirik, Autorikono, Agatatu, Yamezi. Hein? Tu vas faire, viens. Allez, viens. Si t'arrives à passer là, franchement. Oh putain. Ok. D'accord. On a un tricot contorsionniste. Oh.
petit dépignon. Mais il est trop mignon. Qu'est-ce qu'il fait dans le trou? Il est trop trop mignon, Trico. Voilà. Et nous, on s'engage dans le tunnel. Et la caméra va bien me montrer où on est. Voilà. Allez, place-toi bien. Ouh là là, quelle histoire. Je roll en 15-30 minutes. Ouais, ça va, t'inquiète. Pas de problème. De toute façon, tu sais, ça sera pas un stream très long. Ok, alors, nous, on vient de là. Donc, on a deux endroits. On va aller voir par là, déjà. On va aller ouvrir ici pour laisser Trico. Voilà. Ok, donc maintenant, on sait que Trico, il pourra venir par ici. Voilà. Ça, c'est sûr. Voilà. Bien, bébé. Allez, viens. Voilà, lui nous suit par là, donc nous on va avancer par ici. Sauf qu'il n'arrivera pas, à mon avis, jusque là-bas. Ah, ah, ah. Putain, où je suis? Oh, qu'est-ce que c'est ça? Ah ouais, d'accord, viens. C'est trop mignon! On dirait une petite marmotte. Moi je vais prendre ça. Voilà pour le laisser passer. Yomitsu! Faut pas être claustrophobe. Ouais, non, c'est clair. Oh, sans casquette! Bah ouais, je mets une casquette quand je reviens du sport et j'ai pas le temps de me coiffer. Il a vachement du mal. Bah, il est un tout petit peu serré, quoi. Ah ouais, mais non, mais là, il y a sa tête qui est coincée, là, non? Oh, oh. Oh, putain, je crois que j'ai tué mon Trico. Pauvre bête. Il y a quand même beaucoup de dommages. Et voilà, tu es mort. Bah oui, non, mais ça va, je suis pas mort. Serré pour ne pas dire beaucoup trop grand. Ok. Alors, bon. Oh non, me voilà. Oh, fuck, hein. Et mon Trico est encore blessé. Moi, j'en ai marre. Entendez sa respiration. Oh, c'est triste. Moi, ça me fait mal au cœur. Mitsu qui héberge. Merci, Mitsu. Bon, j'arrive. Je vais me chercher une petite... un petit elfe à cramer. Je vous laisse là-dessus. J'éteins pas la cam et on continue quand même à jouer. Attendez. Ah, merde, j'ai coupé ça. Boum, 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 boum. J'arrive dans 2 secondes. Yeah.
Ok, bon, alors. Tu fais des bêtises, bah ouais, merde. Hein. Franchement, mon pauvre tricot, regardez là, mon pitchounou. Vas-y, j'aime pas moi ça, j'aime pas. Déjà que j'arrive même pas à tuer des bestioles. Ouais, bon, alors, moi je vais où là? Par là? Ok. Putain, j'ai vraiment foutu la merde. Il s'est pris un éclair, il se fait piquer par les humains, piquer par les armures. Mon Dieu, mais comment je vais le sortir de là? C'est quoi ce délire? Pouh. Il m'a l'air complètement sur vous. Oh là là. Donc jamais on t'offre d'animal. J'ai deux chats, mais en plus on n'a pas la cam. Bah ouais, mais c'est normal. Je suis en train de fumer. Je la rallume juste après. Putain. Bah tu doutais bien qu'il... Bah si, il est passé tout à l'heure dans le premier tunnel, il est passé. Tricot est dans le décès. Non mais what? Ah, tu fumes dans l'appart? Ouais, ça dépend en fait. Alors go. Ah, comme ça un petit live, je vais pas faire une pause et tout, c'est chiant. Comment je vais sauver Tricot? That's the question. Alors, hop. Voilà. Ok, bon. Objectif, sauver Tuque. Ok, ici, il y a une porte. Mais Tricot peut pas passer là-dedans. Comment je vais faire, moi? Alors, on va continuer par là. Putain, il y a une porte bleue, c'est qu'il y a des petits salopards, il y a un piqué. Ok. Oh, non, oulala. Oh putain, m'ont déjà vu. Comment je fais? Oh non, mais juste pour me sauver ce réveil, mon le pauvre. J'hallucine quoi. Ok. Donc là, il est blessé, enfoui, machin. Le truc, dès que je suis en danger, il utilise sa dernière force quoi. Mon pichou. Il est pas mort! Putain, il est en train de les défoncer. Oh putain, il est en train de les défoncer. Oh là là. Mort. Je suis vraiment le mec qui sert à rien, tu sais, il accroche au bout de la queue. Et il fait mon petit poney. Attends. J'arrive. Attends, calme-toi, laisse-moi monter. Allez. C'est tout. Ah putain. Faut absolument le calmer. Putain, j'arrive pas, hein, il est trop vénère. Voilà. Non, pas encore. Attends. Putain. Ah. Ah.
j'arrive, j'arrive. Allez. Voilà. Putain, il a des crises de rage de tricot, quoi. Calme-toi, tricot. Calme-toi. Ok. Allez, go. C'est l'amour de tricot pour toi. Ouais, mais carrément, on dirait vraiment... Franchement, je trouve que... Dans le... Comment je vais dire ça? Dans l'interaction humain-animal dans le jeu, franchement... Oh, oh. Ok. 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 On est dans la merde. Il est trop beau. Franchement, je trouve que dans l'interaction humain-animal, c'est vraiment très très bien fait. C'est très très intelligent. Et les animations de tricot, ils sont vraiment pour beaucoup. C'est très très beau. Bon, après, le jeu a plein de problèmes de structure, dans les contrôles, la caméra qui est un peu merdique, etc. etc. Mais c'est vraiment chouette. Bon, là, il va péter un câble. Ok. Alors, il va absolument aller dans la tour. Ah, on arrive dans la tour en haut. Là, il va péter un câble parce qu'il y a les trucs au sol. Je vais juste aller frotter là parce que j'aime pas quand il y a des sangs sur lui. Je veux dire, franchement, on pourrait comparer avec certains labradors ou... Même les chiens en général, en fait, certains chiens, peut-être pas tous, mais... Certains chiens qui peuvent avoir quand même des réactions un peu très protecteurs comme ça envers les humains, c'est vachement bien fait. Il faut avouer, il est hyper beau et grave. Je me rends compte qu'on parle tous de tricot comme si c'était notre animal. Mais ouais, mais non, mais grave. Je veux dire, la relation tricot-humain, elle marche vraiment bien. Et les mecs. Et ça, c'est Ueda, donc le game designer, là. Il a un putain de génie. C'est dans sa capacité à jouer sur des mécaniques, comme par exemple la compassion. C'est quelque chose qui est pas courant dans les jeux vidéo. Ok. Est-ce que moi, si je descends là. En gros, il faut que je bouge ça. Donc, il faut que je remonte là-haut. D'accord. Là, il n'y a pas de chaîne. Là, il n'y a pas de truc. Ok. Moi, je peux aller là. Et la compassion, ce genre de choses, ça, c'est des mécaniques qu'on n'a pas l'habitude de voir dans le jeu vidéo. Et lui est tout à fait capable de les utiliser de la meilleure façon possible. Et c'est vraiment ce qui fait son génie, quoi. Moi, je suis peut-être pas au super bon endroit, là. Mais... J'avance par là, on verra bien. Je sais pas comment je vais y aller, mais... On y va. Oh. Ouf, putain. En fait, j'ai un peu trop mal sauté. Je voulais pas sauter là. Mais bon, c'est pas grave. Je voulais pas sauter là. D'accord. Ok, on va atterrir là. Ah, bon, à mon avis, ici, il y a un truc en travers, donc on peut marcher là. Ok. Alors ensuite. Il va l'attraper, je pense. Ouais. Voilà. Et c'est pour ça. Et ça, c'est. On retombe sur les mêmes graphismes là sur la tour. Les mêmes graphismes que la tombe bizarre. La tombe d'un géant bizarre. On avait vu tout au début du jeu. Ok. Donc là, on atterrit dans
cette tour. Ok. Ensuite, ici. Voilà. Ensuite, on saute là. Voilà. On va monter là, on va voir. Rattrapage de juste, ouais, grave. Relayuni. Alors. Ah ouais, là. Ok, on fait le tour de la tour. Cette tour là, que Trico va absolument rejoindre, elle est très. C'est vraiment la forme d'un artefact finalement. On dirait qu'il y a dans une ancienne civilisation une autre civilisation. Ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. Ok. On va se lâcher. On va sauter sur les trucs. Ok. Wow. C'est beau ces oiseaux blancs. Ok, ça c'est les contours du nid dont on peut pas sortir. Oh putain. J'ai les mains moites. C'est pour. Je sais pas où on va, mais on y va. On va arriver à Aldi. Et voilà. Oh putain, fais chier. Allez, on recommence. On recommence. Oh mon dieu, ce passage m'a rendu folle. Mais grave. Tu sais, c'est tellement long, en fait, tu dis, putain, je vais forcément rater mon coup. Et lui, il arrête pas de chez pas, il est mou, ce garçon. Hop. J'aurais dû appeler mon chien Trico, même si Trico du jeu s'en va plus mignon. C'est là que tu sais, t'as ton chien, c'est un... Comment ça s'appelle? Un caniche, je sais pas quoi, tu sais, le truc, le chien qui est hyper hargneux. Coucou Sheena, et merci pour les bits. Merci. Bon, allez, on recommence, attention. Oh. Alors là, par là, c'est bon. Ensuite. Voilà, ok. 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 Si c'est un caniche, tu peux tricoter. Bah, quelle horreur. Un pull en poil de caniche. Jamais je mettrai ça. Je me sens pas bien. Putain, j'ai cru qu'il l'avait raté encore. Yo, X Nightlight. Je peux pas regarder, c'est trop. Mais ouais, regarde. Attention. Adieu, Trico. J'ai trop envie de sauter. Adieu, Trico. Non. Des hauteurs de dalle, ouais, grave. Il faut savoir que ce jeu là, c'est le jeu en termes de, vous savez, quand on fait. Oh putain, je vous jure, j'ai des tensions dans les épaules.
Ce jeu, en fait, c'est le jeu qui a les plus grands hauts et les plus grands bas du monde du jeu vidéo. À l'instant, il a été fait. Alors, après, peut-être qu'entre-temps, il y a eu des autres trucs, mais je n'ai pas l'impression. Mais en gros, en fait, il n'y a jamais eu des environnements dont la hauteur a été aussi développée et aussi exploitée que dans ce jeu-là. C'est beau. Quand même, les mecs, ils sont cassés le cul à construire la tour, t'sais. Et là, t'avais un mec comme moi. T'avais Ludo Pinsol Tricot. Ok, il était là. Tiens, si je faisais des dents de scie. Avec son petit marteau. Si je dis pas de bêtises, ce parcours est fait pour être sauté en courant, pas s'arrêter juste avant le vide, puis sauter. Ouais. Ouais. Nous, on le prend tranquille, tu vois. Nous, on est un petit peu genre en mode balade. On apprécie les environnements. On visite. Voilà, quoi. Faut pas gâcher non plus le truc, quoi. Tu vois. Tu vois, quoi. Faut pas toujours chercher à rusher. Ah! Je crois que je suis peut-être oublié quelque chose. Je crois que j'ai peut-être oublié mon tricot. Suis dans la merde. Le moment t'es là. Ok. Il est où mon tricot là? Putain, je lis le chat et je me dirige. J'ai perdu moi 5 en faisant Resident Evil 7 et je courais dans mon salon. Ah, quand je me faisais poursuivre par quelque chose aussi capable. Passe pas. Quand je me fais poursuivre par quelque chose aussi capable. Tricot, tu es où? Mais non, mais ouais, grave en fait. J'ai perdu mon tricot. Merde. On va aller par là, on va aller voir Tricot. Non, c'est bon, il est là. Alors, comment je fais pour le ramener là-dedans? Ici. Hop. Vas-y, t'aurais pu rouler, hein. De quoi, c'est quoi ce délire là? Mais non, mais que c'est vous là, merde! Mais putain, mais il y en a combien là? Vas-y, que c'est vous, bande de bâtards! Putain, j'arrive plus à bouger. Qu'est-ce que je fais moi? Il me lance trop de sorts là, je vois. Putain, mais il y en a des milliers. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Il y en a tout en haut et tout. Oh là là. Allez, vas-y, ça c'est une séquence pré-programmée, c'est sûr. Je peux rien faire. Putain, Tricot, il va être vénère. Il va être vénère. Oh! Ok, il a surmonté sa peur. Oh! Ok, il a surmonté sa peur des trucs là. Oh, merde.
putain, il a sorti ses grandes ailes. Oh, prends-toi une petite tour. Allez, va, Trigger. Oh non. Vite, 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 vite. Attends, j'arrive, j'arrive, j'arrive. Attends, attends. Vas-y, laisse-moi monter. Attends, j'arrive, j'arrive. Vas-y, j'arrive. Deux secondes, deux secondes, deux secondes. Ah. Ouais, ouais, je vais t'ouvrir, je vais t'ouvrir. Attends. Là. C'est bon. Putain, comment je fais? Bon alors, allez, go 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 go. Comment je fais là? Je saute là? Allez, ok. Sur une gargouille en forme de tricot. Ah, c'est bon. Comment il me regarde, oh là là, c'est trop fort. Dans ce jeu, l'ascenseur émotionnel, il est à 200%. Les mecs, ils hésitent pas. Oh, il a des belles ailes maintenant. Attends, je vais t'ouvrir. Ouais, là, tu glisses plus à 1%. Vas-y, laisse-moi sauter. Allez. Attends. Ah. Allez, monte. Oh, ils sont pas sérieux là, ils vont pas le refaire encore tomber une fois. Non, ça va. Ouais, j'arrive, j'arrive, Nounou, j'arrive. Mon, on dirait qu'il a pleuré à fond. Merde, il m'a raté. Normalement, il était censé me rattraper. Ce petit tricot. Mais cette fois, il m'a raté dans le rattrapage. Vas-y. C'est bon? Tu me rattrapes? C'est sûr, hein. C'est bon. Fou. Ce tricot, il m'aime vraiment beaucoup. Il est trop là avec sa tête, c'est pas ma faute, j'ai eu peur, ouais, mais grave. Tricot avait volé, pas très loin, mais quand même il avait volé. Peut-être que ses ailes étaient complètement guéries, et que nous pouvions dorénavant voler plus loin. Oh. Nous étions sous cyprès. Ah ouais, cyprès de la tour. Ah ouais. Allez, donne ta tête. Allez. Mouah. Oh. Oh là là, il a vraiment trop pleuré. Pleure pas comme ça, tricot. Oh, on va faire une photo. Ok, bon,
Allez, viens. Tiens, une petite caresse. C'est bien, t'as bien travaillé. Mon mascara a coulé. Ah bon, est-ce que tu te maquilles en plus maintenant, la Yuni? Cette meuf, quoi. Ah, elle va chez le coiffeur. Elle se maquille. Ah, son mascara, je croyais le tien. Je croyais avoir lu. Je me maquille pas, moi, what the fuck. Tu te maquilles pas. Bon, moi, je descends juste la voir s'il n'y a pas du manger pour Tricot. Il faut trouver du manger pour son Tricot. Je sais pas si c'est une bonne idée de descendre, mais. Parce qu'on pouvait ou descendre ou monter. Bon, de toute façon, en bas, tout y était pété, donc. Ok. D'accord. Attends-moi en haut, Tricot. J'arrive. Y a rien. Ok, là on peut plus. D'accord. Ok, donc non, il n'y a pas de bidon. Bon, je vais repasser par là en faisant le tour. On sait jamais s'il y a un bidon dans le couloir, mais je crois pas. Ça fait un bout de temps qu'on lui a pas donné à manger, hein, quand même. Et encore, c'est rare parce que je sais pas faire. Ah. Le naturel. J'arrive, Tricot, j'arrive. Ah putain, et cette caméra elle est saoulante. En fait, en gros, faudrait presque même pas la toucher, peut-être. Il se met jamais bien, alors. Ok. Viens, Tricot. On va monter. Viens. Hop là. Ouais, demain il y a un live créa, ouais. Demain c'est les lives. Le samedi après-midi c'est les lives normaux, entre guillemets, quoi. Après les live gaming c'est un peu. Suivant ce que j'ai envie de faire comme jeu ou comme truc, on va aller voir ici. Ok, ça c'était des portes pétées. Moi, je continue à monter là. Je trouve vraiment aucun bidon nulle part. Alors, à quelle heure le live demain? Bah, je sais pas, en début d'après-midi. Alors, après, ça dépend quand je serai. Est-ce qu'il va savoir venir jusque là? Ah ouais, mais non, lui, il peut pas sauter, là. Merde. Attends, je vais voir jusque là-bas. Ah. Ok. Je disais bien qu'il y avait un truc. Pour une fois, je bosse pas, donc je serai là. Ah, cool. Et donc, dans l'après-midi, début d'après-midi, peut-être 11h, si je suis en forme, ou 14h, ou... Et... Hop. Alors ça, on va aller lui donner. Et donc ça sera de la créa autour du projet X. Le projet de jeu vidéo sur lequel je travaille. Ouais, c'est vrai, t'es dans quel domaine, Alpha? Ça va dans ma prépa. Donc je serai dispo que le soir. Il n'y a pas de live demain soir. Il n'y en a pas. Il est où, lui? Il est monté?
encore en dessous. Ah ouais, il est encore en dessous, merde. Alors allez, go. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour lui donner un bidon? C'est avant 14h, maybe, d'un coup. Tiens, tiens bébé. Voilà. Allez la caméra, on y va. Allez. Allez, mange ton goûter et ensuite let's go voler. Allez. On joue pas avec sa nourriture, Trico. C'est bon. Alors, donc nous on vient de où là? On vient de là-bas. Est-ce qu'on peut voler jusque là-bas? Allez, on va voir, on va essayer. Allez, attends, laisse-moi monter, 2 secondes. Et attention. Ah non, non, mais pas sauter dans ce sens-là, par là. Yo JC, comment ça va? La forme? J'ai un level up en arrivant, ça c'est de l'efficacité. GG. Biologie animale, genre parc et zoo. Oh, c'est cool. Pas loin de chez moi, il y a le... Comment ça s'appelle déjà ce... Non, tu veux pas aller par là? Ok, d'accord. Donc c'est pas par là. Ok, alors viens. Ah, d'accord. Attends, peut-être qu'on va faire ça. Vas-y, Trico. Par là. Attention. Je suis réveillé il n'y a pas longtemps, t'inquiète. Où est-ce que tu veux regarder? Qu'est-ce que tu veux voir? Il y a quoi là-bas? Non, avance. Allez. Avance. Voilà, allez. Voilà. Ok, bon. Alors, où est-ce qu'on va nous? Oh, un oiseau. Où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va? Donc nous, on vient de là. Attention, est-ce qu'il va s'envoler?
Ok. D'accord. Ensuite, par là-bas. Là, on le laisse faire. Il doit se débrouiller tout seul. Comme d'hab. Voilà. Sauter, sauter. Mais qu'est-ce que vous avez contre moi ce soir? C'est vrai, ça, soyez gentil avec Alpha. Hein. Il est toujours là, présent, serviable, tout. Arrêtez d'embêter les garçons. Ok, bon. Où est-ce qu'on va là? Nous emmène-nous là sur la petite corniche? Bah ouais, ça. Ça c'était sûr, hein. Et tu fais 12 tonnes et demi. Une toute petite corniche. Alors. Allez. Moi je descends. C'est bon? Hop, voilà. Alors, go. Go la corniche. Est-ce que je peux sauter là, non? Go, go, go la corniche. On a quoi là? On a que dalle. D'accord. Viens, j'ai besoin de toi pour monter là-dessus. Attends-moi, merde. Ah. Vite, vite, vite. Vite. Voilà, c'est bien, attends. Juste attends, j'attends, attends-moi, attends-moi, attends-moi. Allez, on y va. Ensuite, tu vas aller où? Sauter. Allez, saute là. Mais non, je veux pas que tu te retournes. Non, je veux pas que t'ailles là-bas, je veux que t'ailles là-bas. Voilà. Oui, serviable et gentil aussi, faut me faire plein de câlins. C'est vrai, faites plein de câlins, Alpha. J'ai redémarré ma box, ça a l'air de fonctionner. Ok, allez, saute sur l'autre. Vas-y. Allez. Saute là-bas. Allez. Allez, tu vas y arriver. Bon, allez, tu vas y arriver. Arrête de regarder cette putain de tour. Ensuite, où est-ce que tu veux aller maintenant? Ah, on peut aller là, viens. Viens par ici, dans le trou. Let's go dans le trou, Trico. Allez, go. Voilà. Putain! Ah non. Voilà, hop. On voit des câlins parce que les deux l'ont dit et que je débarque. Hop, on s'accroche à son tricot. Si, attends, laisse-moi monter. Vas-y. Go, 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 go. Allez. Allez. Thank you.
T'es jalouse, c'est tout. Allez. Allez, saute. Non, non, par là, par là. Non, non, pas par là, tricot. Pas par là, pas par là, pas par là. Pourquoi tu fais ta tricot? Aïe, 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 aïe. On va encore le bloquer comme la dernière fois. Il va rester en bug. Ses oreilles violettes, elles sont trop mignonnes. Non, je veux pas aller là-bas. Je vais aller là-bas. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait? Mais non. Mais... Ah, ça y est. Oh putain, il y a eu du mal. Oui, des câlins. Trop de commandes contradictoires, je pense, de mon côté. Voilà. Ah putain, mais lui, il saute comme un dingue. Allez, viens par ici. Il va sauter. Il va sauter. Putain, grosse dinde. Grosse dinde. Ah bah ouais, mais ça, depuis tout à l'heure, je te dis d'aller par là-bas. Non. Toi, t'en fais qu'à ta tête. Voilà. Allez, viens. Allez. Salut à toi, Funsec73. Hello. T'es trop grand pour les hugs. Et re la Yoni. Il y a jamais d'âge pour les hugs. Viens. Il y a des trucs. Allez. Je vais m'accrocher tout de suite parce que sinon va encore m'envoyer valdinguer dans le décor. Voilà. Et ensuite, voilà. Et ensuite, et ensuite, et ensuite. Vas-y, go. Vas-y, go. Qu'est-ce qu'il a fait, là? Eh, saute pas sans moi, hein. Ah, saute pas sans moi, trop cœur. Là, il a foncé dans le mur. Il s'est mixé avec le mur. Mais go. Arrête de regarder là-bas. Regarde en face et saute. Là-bas. Ah, ça y est. Ça y est, ça y est, ça y est. Attention. Ouh là 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 là. Bravo, 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 bravo. Allez, go. Hop, on va redescendre là. Hop. Vite, vite, vite. Descends, toi. Lâche tricot. Alors, attends, parce que... Ah ouais, d'accord. En fait, en gros,
si tu lâches. Ok, bon, très bien. Où est-ce qu'on en est là? Ok, alors attends, viens Tricot. On va appeler Tricot parce que je sais pas si vous avez vu en bas, mais il y a des salopards. Et GG le level up pour Gwendo, level 26, et Mitsu, level 39. Allez, par là. Allez, vite. Ah, faut sauter, vite. Avant qu'il descende. Ouh, la caméra. Allez, go. Voilà. Allez, hop, on voit un. Oh, il s'est pris un coup d'épée. Ok, en voilà deux. En voilà trois. Okay. Voilà, on va le faire se calmer un petit peu. Voilà, c'est bien. Allez, hop, nous on saute. Et on va lui chercher à bouffer, voir s'il y en a. Est-ce qu'il y a à bouffer ici? Il y a de l'eau. Non. Là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Là, il y a... Oh! Est-ce que vous avez vu cette petite luciole? Merde, elle est où? Luciole! Il y a des lucioles rouges. Et jaunes. Luciole! Ok, ça, on s'en fout de ce truc. Un petit papillon jaune. Ok. On va te péter la gueule. Il y a quoi derrière? Eh bien. T'as encore peur de ça? Mais normalement t'as plus peur de ça, putain. C'est quoi ce délire? C'est quoi ce délire? Ah putain, un mur en bois. Je vais récupérer mon... Je vais peut-être récupérer mon... Comment ça s'appelle? Mon miroir, le miroir magique là, que j'ai trouvé tout au début avec un peu de chance. Ok. Bon, alors, moi je peux aller peut-être par là. Là, il y a quoi? Ah putain, voilà l'autre Tricot. Bataille de Tricot ici. Ah non! Vas-y, casse-toi là, bâtard. Comment je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Je peux lui monter dessus? Lui enlever son collier ou je sais pas quoi? Ça va faire quelque chose. Non, ça va rien faire, il a rien à faire. Putain, qu'est-ce que je fais? Faire tomber la truc. Vas-y putain, lâche mon Tricot, bâtard. Oh non, comment il pleure, non. Mais le truc, il est horrible. Putain, je fais comment moi là? Vas-y. Thank you.
Oh putain. Ça pète la gueule sur le sol. Ok. Normalement, il devait me rattraper. Il peut pas me rattraper parce que là, t'essayes de bouffer. Non, tricot. Visite ce niveau. Escalade, visite, test. Tricot. Quelle merde. J'arrive, je fume une clope, parce que, alors là, trop de tension, j'arrive. Mort de rire, ils sont dingues. Mais non, mais vous avez vu la tête de tricot, là, t'es en train de lui bouffer le cou, c'est horrible. Je trouve que c'est horrible. Tu pouvais pas t'accrocher à sa queue? Bah, normalement, je sais pas, il y a un grand ralentissement, donc c'est peut-être un truc comme ça, parce que là, de toute façon, a priori, j'ai pas vu grand-chose. J'arrive. À tout de suite. Je vous laisse les... je sais pas quoi, là, bizarre. Ne vous laissez pas hypnotiser par ce langage du démon. Non, non, pas de spoil, sauf si vraiment je vous le demande, mais non, pas de spoil. Merci. Bon, ça va, vous êtes pas tombé dans les pommes. Alors, hop. Faut appuyer sur toutes les touches pour enlever ça. Ok, bon. Alors, go. J'en étais où? Ah, putain, c'est horrible. Bon, ça, il faut quand même que je le prenne en photo, parce qu'en termes d'animation, c'est quand même à tomber par terre. Alors, par contre, il faut que j'arrive à viser. Comment je peux faire Non, non.
pas. Alors, go ouvrir ça pour libérer Tricot. Ok. Donc là, tu vas tomber, il va sauter, il va ressauter sur Tricot comme une bitch. Vraiment une saloperie. Hein. Ok, alors go. Là, y'a rien. Là, on peut pas passer, ça en bois. Là, y'a rien. Là, il n'y a pas de truc. Ah, là, ici, en dessous du pont. Non, je pense pas que ce soit ça. Comment je peux faire quoi? Ok. Je peux pas le taper moi. Qu'est-ce qu'il fait lui? D'accord. Ok, attends. Hé. Putain, il profite que. Mais putain, allez, descends toi, connard. Qu'est-ce que je fais là? C'est quoi ça? Qu'est-ce que je fais moi? Ok, ça doit pas être par là. Putain, vas-y, là, enlève tes sales piques de merde, bâtard. Alors, je vais essayer de passer par l'autre côté. Putain! J'ai quoi là? Ok, je sais ce qu'il faut faire. Tiens. Allez, boum. Vas-y là, oh là là, mais quelle violence quoi. Fouah. Et mon Tricot il fait pas le poids, il est tout petit. C'est un bébé Tricot. Ok. Comment je fais là? Là y a rien pour descendre. Est-ce que je suis au bon endroit? Ok. Ok, un wagon. Un wagon et un rail. D'accord. Encore un bâtard qui tire des piques. Est-ce qu'on peut aller par là? De toute façon, je peux pas l'attraper. Je peux pas l'attraper, le pic, il est en dessous. Attends, lâche-le. Alors. De limite mourir. Bah ouais, mais c'est pas gentil. Je sais bien que c'est pas gentil. Mais c'est quand même de toute beauté. C'est rare de voir ça dans les jeux. Rare. C'est des moments de mise en scène qui...
que je garde après pour moi dans des trucs comme dans Zelda Breath of the Wild. La fin, le boss final, la mise en scène, elle est quand même terrible. Putain. Mais putain, vas-y, ils m'ont poussé par terre, quoi. Oh. Et donc, dans Zelda Breath of the Wild, franchement... Alors, attends. Oh putain, je suis tombé dans le truc. Oh là là. Je suis tombé dans le rocher. Ça, c'est surtout pour moi, pour me rappeler que... Faut pas éviter d'avoir des balls dans les jeux. Ah là, c'est good. Ok. Alors, attends. Ok, il y a une chaîne, j'avais pas vu. Autant pour moi. D'accord, donc il faut que j'arrive à monter sur ce gros connard. Voilà. Putain. Ok. Putain, le gamin, il est lent. Fou. Allez, monte. Putain, c'est quoi ça ici? Allez, vas-y. Joli les gens, bonne nuit. Bonne nuit, Lizéum. Dors bien, fais des beaux rêves. Oh, boum, dans sa tête. Oh là 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 là, putain. Alors là. Là, franchement, il a dû avoir grave mal. Ah non, mais vas-y, casse-toi toi aussi, là. Ah putain, et moi, je suis encore tombé, hein. Il monte déjà à la chaîne à une vitesse surhumaine. Il est faible, Electroquack. Il est faible. Ce petit Kevin. Oh putain, et j'ai vraiment eu de la chance. Voilà, allez, c'est encore pété le genou, allez, go. Oh non, mais les tricots, l'orgueil, il est tout pété, putain. Quand on est à côté de lui, on entend son cœur battre. C'est bon? Oh non! Oh là là! Putain! Oh là là! Il est vraiment tout le temps mal en point. Vas-y, on peut pas jouer un petit peu à la balle avec lui et tout, quand même. De temps en temps, ça sera un petit peu sympa de relâcher la pression, là, parce que... Ah! Pas bien là quand même.
Putain, attends, je vais te trouver un truc qu'il faut que tu manges. Illuminate, ouais. Je veux pas illuminate là pour le moment, je veux juste trouver quelque chose à manger. Alors, qu'est-ce qu'il y a par là-bas? Pourquoi j'ai marché tout doucement? Ok, là y a rien. Hop. Alors attends, illuminate. Franchement, c'est quand même assez affreux. Hein. Ok. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ah, il y a des tonneaux, il y a des tonneaux. Il y a un tonneau. Merde. Oh, elle est trop belle cette musique. On entend son petit battement de cœur, j'aime pas. Ça me met pas bien, quoi. Allez, tiens, mange. Oh. Attends, j'arrive. Oh, j'aime pas. J'aime pas quand ils font ça. Vas-y là, quelle bande de connards. Vas-y là, casse-toi avec ta musique de merde. GG, level up pour Electro. Qu'est-ce que je fais là? Il y a quoi? Ici, il y a une chaîne. D'accord. Alors, attends. Ok. Ouais, j'aime pas.
Franchement, ils exagèrent. Puis je pars facilement dans les yeux et tout, alors... la musique, ils nous mettent un putain de battement de cœur, j'aime pas. On dirait qu'il va lui arriver quelque chose. En plus j'aime pas ce genre de truc, des fois moi j'ai mes chats, des fois je fais des cauchemars avec mes chats, genre il leur arrive des trucs et tout et je me lève en pleurant, j'aime pas. Sauf que c'est horrible. En vrai, personne... Bah non, c'est toujours pas. Ce qu'on a vu pour le moment, c'est que ça brille. Allez, mange. De la liqueur fine. C'est ça. Bon, il fait dodo. Ça va. Bon, il fait dodo contre lui. Alors ce que j'aime pas dans le jeu, c'est que j'ai une sorte d'angoisse. Exhausted, c'est fatigué, je tombe pas dans un sommeil sans rêve. Enfin, je sais pas si c'est tout à fait ce qui est dit, mais c'est ce que ça voulait dire. Et en fait, il y a un truc que j'aime pas là par rapport au jeu, c'est qu'il met dans une sorte de, d'angoisse. Une sorte de, d'angoisse... Je suis très très semblé au scénario et au machin. Ah, tu peux te lever. Oh, merci à la déesse. Tu penses qu'on peut remonter là-haut? Allez, on va lui faire un petit câlin parce que bon, Pichu. GG. Alors attends. Bon donc, qu'est-ce qu'on a vu là? Là-bas j'ai été déjà avec lui. Ah ouais, c'est par là. C'est là où on... Nous on vient de là, non? Je sais pas si on vient d'ici. Où est-ce qu'on est là? C'est quoi cet endroit? C'est quoi ça déjà? On l'a baissé ça? Ouais. Ah et on est rentré là? Je me souviens pas qu'on est passé par ici. Bizarre. Putain, lui il est coincé, le mongol. Oh, il y a un petit truc qui brille dans sa queue.
Et je sais plus ce que je disais. Qu'est-ce que je racontais comme connerie encore. Hop. À mon avis, il va sauter. Attends-moi. Comment on peut faire là? Putain. Comment on peut faire? Okay, attends. Je vais descendre là. C'est peut-être, ça doit être par là. Laisse-moi descendre. Voilà. Tac. Par ici. Ah si, ça doit être ça. Grosse journée qui s'annonce demain, je vous fais des bisous, dormez bien, ça marche. Et d'où ils viennent les tonneaux bas, on sait pas. I don't know. Nuit Gwendo. Peut-être à demain. Moi j'ai presque terminé. Je vais juste enlever ce bâtard là parce que j'aimerais bien qu'on sorte de ce putain de. Comment ça s'appelle? Merde, c'est pas par là. Putain, je vois rien du tout là. Je voudrais juste pouvoir sortir de ce tube et qu'il arrête de jeter des pics sur Tricot, ce qui me saoule. Ah mais putain, je suis con. J'ai mon... Oh, lui m'énerve. Putain, comment on peut être aussi con quoi. J'ai mon miroir, donc je peux utiliser la queue de Tricot pour lui défoncer la gueule. Putain. Pendant ce temps-là, Tricot se prend des pics, quoi. Ouais, ok. Oh, je suis tombé dans une flaque, la tête, la première. Putain, faut quand même être vraiment très con. Vas-y, défonce-lui la gueule. Regarde. C'est pris une petite double rafale. C'est bien, Tricot, c'est bien. Ah putain. Le mec il s'est pris une double rafale. Et alors là il a rien compris du tout. Et genre il était comme ça avec son pic, il a fait pas bam. Un aller-retour, boum. Et GG le level up pour un Tricot. Oh putain, l'éclairage c'est mignon dans les plumes. C'est très beau. Attends, deux secondes toi. Mais putain, deux secondes. Putain, j'arrive pas. En fait, si je suis sur lui, j'arrive pas à le diriger. Lâche. Vas-y, je suis remonté. C'est good.
C'est bien. Oh non, je vais te faire un petit câlin. C'est bien, c'est bien. Alors ensuite, on va où? Tu vas encore monter ou... On peut encore monter ou pas? Non? Allez, viens, on va par là. Ah, oh, on entend les oiseaux. Viens. Si je fais... Ah non, ça s'ouvre pas. J'aurais pensé que... Mais non. Merde. Qu'est-ce qu'il y a ici? Il y a rien. Ah là. C'est soit là, soit là-bas en haut. Ah là. Voilà. Ok. Une fois qu'on est sorti de ce truc, je vais pouvoir arrêter là ce petit épisode du Let's Play Tricot qui était bien riche en émotions et qui, là, pour le coup, il y a une grosse, grosse accélération au niveau scénario. Elles sont belles, ces plumes. Vraiment chouette. Allez, vas-y. Il reste qui? Ça veut dire quoi, il reste qui, Shina? Hop, voilà. Voilà, là y'a rien. On va le suivre, on va le suivre. Oh putain! Est-ce que... Attends, est-ce que je peux faire ça? Lui faire tirer sur ce rocher de merde. Ok. Sauf que là, on va essayer de lui faire tirer dessus. Ok, moi j'arrive à... Oh ! C'était beau cette explosion de particules. Ah, c'est bien, mon petit tricot, viens. Ah là là, regardez. Je sais pas si c'est un soleil... c'est un soleil couchant. Mais nous voilà. Finalement. Wow. Mais non. Nous voilà finalement sortis de ce... Voilà. Ok, bon, donc c'est... Pourquoi? Reste-moi. Reste qui? Pourquoi sur la live? Un peu ébouriffé. Au moins, dès qu'il comprend Alpha et la Yoni. Bon, donc nous voilà à la fin de ce let's play. On fera ça après. Donc, je vous fais à tous des gros bisous. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Je vous dis à demain. J'espère que ce petit let's play vous a bien détendu.
Et j'espère qu'il vous a pas rendu trop triste. Donc en tout cas, moi je vous fais des gros gros bisous. Et donc je vous dis à demain entre 11h et 15h. Donc restez au taquet. Et le live tournera autour du projet X. Et on continuera un petit peu à définir toutes les petites choses à laquelle je pense pour ce jeu. En espérant que vous voudrez y participer, donner des idées, etc. Vous êtes tous des bienvenus. Bon bah des bisous, bonne nuit, à demain. Ouais, bonne nuit à tous, c'était cool. Je vais vous envoyer sur un live un petit peu sympa. Je vais regarder ce qui est disponible. Parce que bon, ce qui est cool aussi, c'est de vous faire découvrir des gens. Écoutez. Un petit peu de Sea of Thieves. Ouais, ça va être cool. Allez, je vous envoie chez le très cher Yuna. Je vous dis à demain. Bonne nuit à tous. Soyez sages. Et des gros bisous. À quand pour Tricot? Enfin, franchement, mes live gaming, c'est... J'ai pas d'emploi du temps. Ça dépend vraiment si j'ai le temps, si je suis pas en train de faire autre truc, etc., etc. Mais de toute façon, je le mets sur le Discord. Hein. J'essaie de le mettre sur le Discord, donc... Et au pire, vous pouvez de toute façon toujours regarder les lives en replay. Au pire des pires. Mais bon, de toute façon, je le mettrai sur le Discord, il n'y a pas de problème. Donc, gros bisous à tous. Je vous envoie chez Yuna. Faites-lui un gros bonjour, un gros bisou de ma part. Et puis moi, je vous dis à demain. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao. Bye, Tricot.